Est-ce que vous pouvez trouver tous ces crimes du Vietnam? Je ne prends pas la défense du Vietnam. J'ai dit que je suis reconnaissant au Vietnam d'avoir libéré le peuple cambodgien des griffes des Khmer Rouges. Je n'ai dit que ça. Et j'ai condamné le Vietnam de ne pas favoriser une distribution générale de l'aide. Je me suis élevé maintes fois contre le Vietnam. Vous n'avez pas naturellement mentionné ces condamnations de Sihanouk, du Vietnam par Sihanouk. Oui, mais Somdak, vous ne semblez pas vous rendre compte que les Vietnamiens ne sont pas là pour tirer le peuple Khmer des griffes des Khmer Rouges, mais ils sont là pour parachever le génocide commencé par les Khmer Rouges. Je n'ai pas du tout absous le Vietnam, je le condamne. Je le condamne en tant que colonisateur du Cambodge. Vous entendez tous les deux pour dire que les Vietnamiens devraient déguerpir dans les plus brefs délais. C'est bien ce que vous dites tous les deux. Mais justement, et je me suis plaint, n'est-ce pas? J'ai porté plainte contre le Vietnam en ce qui concerne le très mauvais système de distribution, et j'ai dit que le Vietnam voulait affamer le peuple cambodgien pour prendre nos terres. Je l'ai dit. Est-ce que ces explications-là vous satisfont, monsieur? Mais vous ne prenez pas la peine de lire tout cela. Vous ne prenez qu'un détail. Vous souvenez-vous, prince, du policier Kouroun, votre policier, qui a massacré beaucoup de monde, qui a torturé les nationalistes cambodgiens qui, justement, protestaient contre la corruption de votre régime? Souvenez-vous de M. Khieu Samphan, le policier Kouroun a déshabillé M. Khieu Samphan en plein marché central. Lorsque Khieu Samphan est revenu au pouvoir, la vendetta était terrible. 3 millions de morts, prince. Il est indéniable, prince, que vous êtes aussi responsable de tout ce drame. Mais voyez, nous vous soutenons toujours, prince. J'admire votre nationalisme, mais s'il vous plaît, par pitié, nous voulons vous aider, les jeunes, mus du 109, avec des idées nouvelles. Avec vous, et discuter avec vous le problème de la libération du Cambodge, mais ce n'est pas possible tant qu'il y a cet entourage de criminels, de corrompus. Monsieur, nous avons compris. Prince, voulez-vous répondre, s'il vous plaît? Je suis pour que le peuple cambodgien puisse décider, et puis qu'on me fiche la paix, n'est-ce pas? Moi, je ne veux plus, n'est-ce pas, être la victime de gens dont les idées sont extrêmement injustes à mon égard. Alors, n'est-ce pas, séparons-nous pour toujours, je ne veux pas, vous et moi, nous puissions toujours comme ça offrir au monde le spectacle d'une sale dispute extrêmement dégueulasse, n'est-ce pas? Excusez-moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon but en venant ici, je ne veux pas soulever, n'est-ce pas, ces rancœurs, permettez, n'est-ce pas, dites à tous de me permettre de me retirer tout simplement. Je ne vous embêterai pas davantage. Maintenant, je vais donner un cadeau à ces messieurs-là. Je vais partir pour la Corée et c'est fini. Je mets fin à toute ma tournée. Alors, vous êtes contents maintenant? Bon, ça va. Les disciplines scientifiques.